Bonjour chers curieux de l'histoire et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve de nouveau à Bruxelles dans ce musée royal de l'armée où il y a 2 ans je vous avais déjà raconté l'histoire des chars belges de la Seconde Guerre mondiale. Alors là on va changer d'époque, on va aller du côté de la Première Guerre mondiale et quoi de mieux que de commencer devant celle qui sera notre guest star aujourd'hui pour vous raconter l'incroyable périple du corps des ACM, des autocanons mitrailleuses belges envoyés en Russie, une histoire de 400 bonhommes assez méconnus même en Belgique et qui pourtant a fait l'objet d'un long métrage en 2015, Cafard, et qui va nous amener des plaines de l'Isère à la Russie en passant par la Chine et les États-Unis. Bref, un véritable tour du monde en pleine guerre et en pleine révolution. Allez, c'est parti. Notre histoire débute en septembre 1914 avec un homme, le major Auguste Colomb. Cet attaché militaire belge à Paris cherche à convaincre l'état-major de son pays de faire entrer la voiture sur le champ de bataille et de créer une unité d'un nouveau type. Une formation entièrement motorisée, équipée de véhicules civils protégés par des plaques de blindage. Le but est de constituer une colonne d'auto-blindés qui, grâce à sa mobilité, est capable d'agir en toute autonomie dans la profondeur pour des missions spéciales telles que la lutte contre les reconnaissances de l'ennemi ou des raids sur ses arrières pour harceler ses lignes de ravitaillement, le désorganiser et le poursuivre en cas de retraite. En décembre 1914, Colomb obtient gain de cause. Ainsi est créé le corps des ACM, des autocanons mitrailleuses, qui doit former 8 groupes, soit un pour chaque division de l'armée belge. Ainsi, la Belgique devient l'une des premières nations à constituer des formations entièrement motorisées et blindées. Le 1er décembre, une première centaine de volontaires sont rassemblés à Paris. Et on ne peut que constater leur hétérogénéité, ce qui va favoriser un esprit de corps. Beaucoup d'aventuriers, certains issus du milieu sportif, comme Henri Herd, dit Constant le Marin, champion du monde de la lutte gréco-romaine. On retrouve toutes les classes sociales, des aristocrates qui avaient déjà l'habitude du pilotage de voitures, des entrepreneurs comme Théo Halleux, des ouvriers comme le syndicaliste Julien Lahaut, des mécaniciens, des étudiants, des artistes, des coloniaux, et il est à noter qu'un tiers viennent de Liège, comme les frères Thierry, à qui on doit le récit qui fait partie de nos sources pour constituer cette vidéo. Le tout encadré par 6 officiers supérieurs, dont le major Colomb. La formation se développe dans un triangle Paris-Boulogne-Billancourt-Vincennes qui représente respectivement la caserne, le centre de développement d'engins et le camp d'entraînement. Quant à l'achat des voitures, c'est Colomb qui s'en charge. Son choix se porte sur des voitures Peugeot et Morse, même s'il préférera cette dernière qu'il juge plus puissante grâce à un moteur Minerva installé par Andro et Citroën. 65 châssis sont commandés, la firme Kellner leur adjoint des plaques de blindage de 7 mm capables de résister aux balles allemandes, telle une coque destinée à protéger l'équipage de 4 hommes, le chauffeur et son aide-chauffeur, le servant et le pointeur. Au centre du véhicule, un tourélion sur lequel est fixée une arme pouvant tirer sur 360 degrés et qui diffère selon le type de véhicule. Les voitures dont les moteurs sont les plus puissants se voient adjoindre un canon de la marine de 37 mm, on parle alors d'une autocanon, et pour les voitures qui ont un moteur plus faible, et elles seront dotées d'une mitrailleuse Hotchkiss lourde de 7 mm, et dans ce cas-là, on parle d'une auto-mitrailleuse. De véritables mastodontes pour l'époque, avec un poids situé autour de 4 tonnes. Peints en verre Reseda, ils peuvent atteindre la vitesse de 40 km/h pour une consommation de 40 litres au 100. Corps avant-gardiste, les ACM sont dotés d'équipements innovants, comme le démarreur électrique, qui évite au chauffeur de sortir de son véhicule pour tourner la manivelle, des rétroviseurs pour faciliter le retrait du champ de bataille, l'éclairage est assuré par des phares électriques alors qu'à l'époque ils fonctionnaient à l'acétylène, le diamètre des roues a été augmenté afin d'assurer une meilleure mobilité en tout terrain, et le capitaine Tiguet a même inventé un support qui permet de fixer une mitrailleuse légère coaxiale sur le canon, faisant de l'auto-blindé une autocanon mitrailleuse. Pour habiller ses équipages, Colomb, qui est un peu coquet, fait appel à Paquin, une maison de couture célèbre de Paris qui confectionne ses uniformes en cuir noir spécifiques à l'unité. Le problème, c'est que le contexte de 1914, qui était encore favorable à l'utilisation d'auto-blindés, a changé. Il n'est plus question de contre-attaque après la victoire de la Marne, le front s'est stabilisé en se matérialisant par tout un réseau de tranchées, rendant donc inopérant ce type d'engin. Les ambitions du haut commandement belge vont donc être révisées à la baisse, ce ne sont plus 8 groupes d'auto-blindés qui vont être constitués, mais un seul, notre fameux ACM, qui prend sa forme définitive en février 1915.
Il comporte 350 hommes répartis dans 5 batteries, les premières et secondes constituées chacune de 5 ACM, 3 autocanons et 2 mitrailleuses, la troisième batterie qui se charge de la maintenance et du ravitaillement, la quatrième batterie avec 120 cyclistes et 23 motos indianes chargées de la liaison et de la reconnaissance. Quant à la cinquième batterie, elle s'occupe de tout ce qui est de l'administration, des archives de l'hôpital et des pièces de rechange. En tout, une cinquantaine de véhicules, dont nos 10 ACM, mais également des camions et sans oublier ces autoblindés spécialisés comme les autochefs avec cette tourelle d'observation, des autocaissons mais aussi des auto-ambulances. En avril 1915, après être inspecté par le général de Clergerie, que l'on voit ici avec Colomb lui apporter quelques explications, l'unité est envoyée sur le front dans les Flandres, dans le secteur de Houtem. Sa première mission est de reprendre le village de Lizerne situé à 10 km au nord de Ypres. Mais les autoblindés ne tireront pas un seul coup, car lorsqu'elles arrivent sur place, les hommes du détachement se rendent compte que le boulot a déjà été accompli par l'infanterie. Et ce sera là la seule action du corps des ACM sur le front de l'Ouest, car comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, le type de guerre statique qui se met en place dans ce secteur ne correspond pas à l'emploi d'engins mobiles. Par conséquent, pour les hommes de l'unité, c'est le début d'une longue attente avec cette sensation d'inutilité qui affecte grandement le moral. La délivrance vient d'un officier russe, le capitaine Priezhbiano, attaché militaire responsable de la liaison entre les états-majors russes et belges, et qui, après avoir observé les autoblindés, se dit qu'elle pourrait être utile dans son pays, où le front n'a pas le même degré de sédimentation. « Ah, si la Russie pouvait posséder une telle unité, » dit-il. Le capitaine russe en fait la demande à l'état-major belge, ce qui donne lieu à cet échange avec le roi Albert qui en est informé. « Le voulez-vous ? Je n'en ai pas besoin ici, je vous le donnerai volontiers. » C'est par ces mots que le roi de Belgique scelle le destin du corps des ACM pour les 3 prochaines années. Le 2 août, la décision est prise de l'affecter à la Russie et le 15 août, le détachement est envoyé à Paris. C'est le 21 septembre 1915 que les hommes du corps des ACM partent de Brest à bord du cargo britannique Royal Castle. Alors la route la plus courte est celle qui permet de rallier Saint-Pétersbourg en passant par la Baltique, mais les mines et les sous-marins allemands constituent une menace trop importante. C'est donc un énorme détour qui s'impose en contournant les îles britanniques direction la mer Blanche. Le voyage est long et pénible, le froid, les tempêtes, l'ennui et surtout la faim. Car les rations ont été mal calculées à Brest, et ce ne sont pas les pommes de terre gelées que l'on voit ici être épluchées durant la corvée qui évitent un fort mécontentement de la troupe à bord, amplifié par l'absence d'une partie des officiers, qui comme Colomb ont préféré faire le voyage de façon plus confortable, en train depuis Odessa. Seuls 3 ont accompagné, et eux mangent à satiété sur la table du capitaine. Le risque de mutinerie gronde, surtout lorsque le cargo arrive dans la mer Blanche et qu'il doit s'arrêter 6 jours pour attendre un navire d'escorte russe. Mais le 13 octobre, après 3 semaines de navigation, le navire arrive enfin à Arkhangelsk. Marcel Thierry parle de sa première vision de la ville avec ses murs blancs et ses clochers bulbeux. Et c'est là qu'ils sont également rejoints par les officiers. Le 10 octobre, c'est le départ, une nouvelle étape de 1000 km en train les amène jusqu'à la région de Petrograd, où les Belgiski, les Belges en russe, vont hiverner, s'entraîner et s'acclimater, car malgré leur veste de cuir, ils souffrent terriblement du froid qui peut tomber jusqu'à moins 30 degrés. Le nombre de malades augmente d'ailleurs considérablement, et certains adoptent carrément la mode russe. Le 6 décembre, à Pouchkine, le tsar en personne les passe en revue, ce qui donne l'occasion aux Belges de défiler fièrement à la tête de leur véhicule. Si Nicolas II se déplace lui-même, c'est qu'il est heureux de ce renfort aussi petit soit-il, car la situation militaire de la Russie à ce moment n'est pas très bonne. Après les premières victoires de 1914 qui leur ont permis d'occuper un temps la Galicie autrichienne et la Prusse orientale, les Russes sont partout sur la recule. La Pologne et la Lituanie sont perdues en 1915 et le front ne se stabilise qu'en septembre 1915 sur une ligne Riga-Tarnopol, l'hiver ayant gelé la situation. Il s'agit donc pour l'état-major russe de préparer une contre-offensive pour le printemps 1916 qui leur permettrait de reprendre l'initiative et à laquelle les Belges vont être mis à contribution. C'est pourquoi, le 5 janvier 1916, le corps reçoit l'ordre de rejoindre le front et repart pour une nouvelle étape en train de 1500 km jusqu'en Galicie, en passant par Kiev, où la 5e batterie prend ses quartiers, tandis que le reste de l'unité se dirige vers Tarnopol, où la 3e batterie s'installe. Les 3 autres batteries de combat, elles, se positionnent dans le camp de Zbaraj, où elles sont intégrées au 6e corps, commandé par le général Gutor et appartenant à la 11e armée, elle-même étant un élément du groupe d'armée Galicie.
Là encore, c'est l'attente et l'ennui pendant plusieurs mois, durant lesquels les Belges continuent de s'entraîner et en profitent pour exhiber leurs belles autos blindées à leurs alliés russes, avec qui ils fraternisent, en particulier avec les Cosaques. Au printemps, ils font la découverte de la Rasputitsa, la saison des mauvaises routes, qui transforme celle-ci en torrent de boue, une pâte collante très mauvaise pour la mécanique des ACM. La monotonie n'est trompée que par quelques événements, comme l'attaque du camp du 19 mai par l'aviation autrichienne, mais surtout par le coup de tonnerre du 12 mai 1916, Colomb doit quitter son poste. Il avait le défaut de ne pas s'entendre avec le représentant militaire belge à Petrograd, le baron de Riquel, que l'on voit ici, et il est remplacé par son adjoint, le major Semet, qui devient vite populaire et que l'on voit ici saluer la mascotte de l'unité, un chien surnommé Mitraille. L'attente prend fin au début du mois de juin 1916. Le détachement belge est positionné dans la banlieue de Ternopol, ce qui fera dire à Oscar Thierry « Hier soir, Chochotte a quitté ce barrage, sans esprit de retour. Elle est partie à la guerre pour de bon, car il paraît que c'est sérieux. L'offensive russe commence cette nuit, et nous en serons. » Effectivement, l'offensive Broussilov, qui doit soulager la pression sur ses alliés à Verdun et Lisonzo, et en même temps appuyer l'offensive des Britanniques sur la Somme, débute le 4 juin. Elle porte le nom du général en charge du groupe d'armée Galicie. Ce dernier propose une méthode originale, attaquer sur une vaste portion du front, près de 300 km, afin de fixer les forces de l'adversaire pour l'empêcher d'amener des renforts sur les points de rupture. Il est à signaler que c'est la première fois que l'armée russe fait preuve d'autant de professionnalisme dans la préparation, avec par exemple des reconnaissances aériennes. C'est dans le cadre de cette offensive que les autocanons mitrailleuses belges sont amenés à intervenir au nord de Ternopol. Tandis que la première batterie attend à la lisière d'un bois, la seconde rejoint la première ligne et soutient l'assaut du 16e régiment russe qui débute à 11h. Les autoblindés, sur lesquels sont apposées la cocarde russe pour les distinguer des troupes des puissances centrales, arrosent de leurs armes les tranchées adverses. Les soldats russes parviennent à rompre les lignes autrichiennes. Ils sont suivis de près par les automitrailleuses, mais elles ont du mal à progresser dans la plaine marécageuse du Céret, malgré leur roue au diamètre agrandi, mais qui a aussi pour conséquence de forcer sur le châssis. Lorsqu'elles arrivent dans le secteur de Vorobivka, le 9 juin, le cycliste Bodson, qui joue le rôle d'observateur pour guider les tirs de l'autocanon de Halle, se prend une balle dans les fesses avant d'être évacué. L'auto de De Wever et de Charnel parvient quant à elle à tirer quelques charges, mais des éclats d'obus finissent par toucher les deux tireurs, ce qui les oblige à battre en retraite. Quant à l'autocanon de Demeuse, elle a plus de chance, car elle parvient à tirer 20 coups de canon, détruisant une mitrailleuse ennemie. Mais l'automitrailleuse de Hammerling, elle, voit son pont arrière craquer au moment de monter une pente, le châssis retombant en arrière, et une des roues finit par se retrouver au milieu d'un cratère d'obus. L'engin de Demeuse vient à la rescousse pour tenter un remorquage sous le feu de l'ennemi, mais non seulement le câble casse, mais en plus, Jacques de Becker se prend une balle en pleine tête, constituant ainsi le premier tué du corps des ACM. Autrement dit, même en Russie, nos autoblindés ne sont pas utilisés pour leur mobilité. Et cela s'explique par le fait que même si le réseau de tranchées est beaucoup moins dense qu'à l'ouest, il se densifie quand même. Or, nos autoblindés n'ont pas la même capacité de franchissement qu'un char. Et c'est pourquoi elles sont réduites à un rôle de simple appui-feu, leurs armes principales étant même parfois démontées et utilisées à l'intérieur des tranchées. C'est la raison pour laquelle les Belgiskis sont peu engagés dans cette offensive Broussilov qui bouscule les Autrichiens. Dans le secteur des Belges sont prises tour à tour Vorobivka, Tserbov et Ozerna, où fin août s'installe le QG du 6e corps. Mais cette offensive montre aussi l'inadaptation des autoblindés sur ce type de champ de bataille. La journée du 11 août en est un parfait exemple, lorsque les Russes, qui comprennent que les Autrichiens se retirent de leur position, donnent l'occasion au corps des ACM de faire ce pour quoi il a été conçu, une mission de poursuite. Sauf que les autoblindés ont du mal à franchir le terrain labouré des tranchées abandonnées et finissent par être décrochés par les cyclistes qui, faute de soutien face à un repli autrichien organisé, subissent de lourdes pertes. 4 sont tués, ce qui fait de cette journée la plus meurtrière du corps des ACM. Cela n'empêche pas de se distinguer, comme lors de la prise de Zborov, qui est un point clé de la route de Lemberg. Les ACM entrent dans la ville sans combat le 1er septembre, mais après avoir franchi la Stripa, où se sont retranchés les Autrichiens, eh bien c'est la grande stupeur
car tout d'un coup, il doit faire face à un train blindé qui menace l'infanterie russe. Alors là, il y a un duel d'artillerie qui s'engage entre le train blindé et les autocanons mitrailleuses, et qui finit à l'avantage des Belges. Sans que ceux-ci ne subissent la moindre perte, le train finit par se retirer. Les Belges sont salués par les Russes. Et bien c'est ce qui explique que le 4 septembre, 104 soldats belges sont décorés de la croix de Saint-Georges avec en prime ce baiser à la russe. Le 16 septembre est un autre jour dur pour les ACM. Maurice von Hesch est tué, von der Donckt est blessé, et la Peugeot de Herde, notre champion de lutte gréco-romaine, est touchée par l'artillerie allemande. Abandonnée, elle sera récupérée par les Allemands qui vont la réparer, et d'ailleurs ce sera elle qui aura la plus grande longévité, avec une histoire toute particulière que je vous raconterai. Mais revenons à la nôtre. À partir de septembre, le front se stabilise avec l'arrivée de renforts allemands. L'offensive Roussilov est un succès incontestable, avec une progression jusqu'à 50 km et la capture de centaines de milliers de prisonniers austro-hongrois, et elle a joué son rôle vis-à-vis des alliés de l'Ouest. Mais elle a aussi coûté cher à la Russie, qui a perdu plus d'un demi-million d'hommes, au point qu'elle ne pourra pas aider la Roumanie à entrer en guerre en août. Une hécatombe qui aura de graves répercussions pour la suite. Quant au corps des ACM, il est renvoyé en arrière le 21 octobre à Auzerna pour un nouvel hivernage. Une nouvelle longue période d'attente, durant laquelle les Belgiskis tentent de se protéger du froid dans leur baraquement et qui atteint grandement le moral des hommes, dont une cinquantaine demandent carrément à rentrer en Belgique. En vain bien sûr. Tout au plus, quelques permissions de plusieurs jours sont accordées, ce que certains mettent à profit pour visiter Kiev, Odessa ou Moscou. Le corps des ACM voit également venir plusieurs renforts durant cette période. Ce sont tout d'abord 80 nouveaux volontaires qui arrivent de France en novembre pour remplacer les pertes en vue des prochains combats au printemps. Mais ce renfort est aussi matériel, car lors d'une rencontre avec le tsar en septembre, le major Semet avait évoqué la perte de la Peugeot de Herde. Eh bien Nicolas II avait répondu qu'il allait lui en donner une nouvelle pour la remplacer. Eh bien promesse tenue, puisque les ACM accueillent dans ses rangs une Armstrong Whitworth Fiat, une auto-blindée construite par les Russes avec ses deux tourelles blindées. Semet en profite alors pour réorganiser l'unité au printemps 1917. Les premières, deuxième et troisième batteries, c'est-à-dire celles de combat, sont mixées avec chacune des cyclistes et un groupe de 3 ACM, 2 autocanons et une automitrailleuse, sauf la seconde batterie qui en aura 4 avec la Fiat de Constant le Marin. Seulement un événement imprévu va tout bouleverser. La révolution russe de février 1917, qui amène à l'abdication du tsar Nicolas II et à son remplacement par un gouvernement provisoire mené par le prince Wolf. Ce dernier souhaite continuer la guerre aux côtés des alliés et il veut donc créer un effet Valmy, un sursaut populaire en menant une offensive de la dernière chance.